Donc, nous sommes fin juillet et demain, nous partons avec Théo 2 jours pour voir ce qui se passe. Donc déjà, il nous faut des chaussures. Ça, c'est les sacoches qu'on va mettre sur Moon. Parce que je décide de prendre Moon, je ne sais pas si c'est l'idée du siècle. Un seau pliable, matelas, duvet, tente. Ça, c'est les sacoches de post-it qu'on mettra peut-être à coquette des fois. Ils sont grandes, mais j'ai peur que ça ne rentre pas tout. La selle de Moon, le bas des ânes, ça donc c'est des entraves et un collier pour et un piquet d'attache pour la nuit pour les ânes. Moi j'ai pris la grelottière, je sais pas si je vais prendre un petit nécessaire de pansage, d'urgence, des bâches, des licoles, beaucoup de cordes, même des slacks. La carte, la bouffe, de l'eau, du gaz, du réchaud, des croquettes de chien, des lampes, une petite trousse de secours d'humains et d'animaux. Il y a un peu beaucoup de choses. Et un sac à dos, bien sûr. La suite au prochain épisode. Je prends la truffe de Nawel. Je vous propose ma question stratégique. La question. Le choix. Tom ou Reblochon? Rebleu Tom. Parce que les deux c'est bon. Voilà, les deux c'est bon. Voilà, c'est lundi matin. J'ai amené les ânes à la maison, on va les préparer. Il est 7h30, il fait super beau, pas chaud, ça va être cool. Et, sac est prêt. Léna, t'es prêt? Masai, t'es prêt? Oh, il a l'air. Ils ont pas faim. Nawak, elle a l'affût. Les vaches, elles veulent venir avec nous. Et toute la clique des animaux, ils sont prêts. Alors, l'une tranquille, coquette. Tain. Théo est à cheval. Alors, nous sommes partis depuis maintenant... presque 2 heures. Et tout le monde se porte plutôt bien. Mademoiselle Feudon, comment se passe votre matinée? Ça se passe bien, j'ai un petit creux, mais ça va. Ça fait 2 heures qu'elle a un petit creux. Les ânes, qu'est-ce qu'ils en disent? Ça va? Ça va, Moon? Ça se passe bien? Ça va. Tintin. Ah. Non, toujours pas. Fausse alerte. Ça se passe bien, l'aquapark? Ça a l'air d'aller. Arrêt pique-nique. Essayage des attaches pour les gros chevaux. Ça a pas l'air de trop lui plaire. Mais ça va. Coquette. Elle fait un peu la gueule, mais ça passe. On n'entend plus la grelottière. Elle s'est pas encore emmêlée autour de l'arbre, c'est déjà bien. Hop. Ah là, tout le bazar. Je fais encore du travelling. Plein de cornes. Ça y est, on commence à perdre des trucs, du marteau. Toi qui aimes marteau. Et Moon avec son collier, il est opérationnel. Ça va le gros cheval? Ça a l'air d'aller. Ça y est, on est prêt à partir. Je mets ça sur mon dos. L'âne est chargé, allez, c'est bon. L'autre est en train de manger, le cheval fait la sieste. Ah, j'ai cru que c'était moi le cheval. Est-ce que ce serait pas une petite balade culinaire?
Ça a l'air. Des petites framboises. Elles sont bien meilleures que celles de tout à l'heure. Tout le monde fait une petite balade culinaire. Petite écrée. Allez. Et au coin de Saint-Just. Les petits animaux, ils sont contents. J'ai chaud. On a chaud. Moi, ça va, j'ai fait du cheval. Les chiens, ils ont chaud aussi. Yo, Théo. Bon, on a attaché les ânes. Attaché les petits ânes. Moi, je vais partir à cheval à la recherche de mes lunettes de soleil perdues. On a retrouvé les lunettes de soleil perdues. Youpi! On s'est fait des petits copains. Bon, allez, on rentre, on va voir les nôtres. Nos petits ânes à nous. Caca, ça. Ma petite tante, la tante de Théo, dit le palace. Un cheval en plein milieu. Ma petite coquette. Le feu allumé il y a une seconde et demie. Avec une seule allumette. Par le maître du feu. J'ai craché dessus. Ben dis donc, franchement, bravo. On a un petit problème de chien fatigué. Il est 23h et nous allons au dodo. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, tu veux pas s'en occuper. C'est l'heure du petit déj. Non. Pitié, Théo, ne fais pas ça. Beurk. T'as bien dormi, Théo? Dans ma palace tente. Ouais. 10 minutes de pliage, même pas. On a déjà tout rangé. Enfin, pas ça, mais... Non, presque. Faut que tout mette... C'est lourd. On est prêt à partir, mais Théo veut faire d'abord un peu de traction. Car il se sent un peu gros ce matin. Et c'est parti! Théo va se prendre un arbre. Est-ce qu'il serait pas en train de pleuvoir? Coquette, tu traînes! Alerte, âne en détresse! Fais pas tout tomber, coq-coq! Ah ouais, au galop, carrément! Non, là, elle sait plus trop, là. Avec la longe, elle va marcher dessus. Mourir, faire un salto avant, casser toutes les sacoches. Arriver. Voilà, c'est fini. On n'est pas prêt pour faire 10 jours. Il faut qu'on aille s'entraîner dans notre tête. Ouais. Pour notre organisation. Parce que ça va pas trop. Quelque chose à rajouter? Si, ça va à peu près. Ça va, sauf... Sauf qu'on n'a pas d'eau. On a faim tout le temps. Les animaux, ils ont fait n'importe quoi ce matin. Ouais. Voilà. Mais hier, c'était bien. On est déjà chargés comme des mules. Mais ça va le faire. Oui.